Et on se retrouve sur Enshrouded, un jeu que nous avions découvert sur une démo il y a quelques mois. Là, l'accès anticipé vient de tomber le 24 janvier. Donc on va lancer la partie tout de suite, sans perdre de temps. Bon, il me dit que mon pilote de GPU est obsolète. Je l'ai mis à jour, ça change pas. Donc on laisse tomber. On va prendre un homme cette fois-ci. J'ai pris une femme pour ma partie test. Donc on va se dépêcher, on va pas perdre de temps là-dedans. Les cheveux longs, voilà. Les cheveux gris. Une barbichette grise également. Donc la ligne du haut, ce sont des voix de femmes. Et la ligne du bas, des voix d'hommes. Voilà, un petit cri, tout simplement. Personnage. J'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de l'appeler Glumotte. Voilà, on va faire ça. J'aurais pu l'appeler Maurice, effectivement. Et c'est parti. Donc là, trois façons de jouer. Donc soit en solo, soit en hébergeant, soit en rejoignant une partie. Nous, on va jouer en solo. Ça, je la vire, c'était la partie d'avant. Et je crée donc une nouvelle partie. Je passe bien sûr les cinématiques. Hein. Je vous laisse les découvrir sur la partie démo. Et là donc on arrive. On arrive, on sort d'une magnifique capsule, on dirait un gros œuf. Ah, c'est le réveil. Le réveil de la bête. Eh bah sors, dépêche-toi. C'est bien sûr un jeu de survie, hein. Un jeu de survie avec du craft, du base building, de la découverte. Il y a de la magie, ça ressemble... Enfin, l'ambiance, l'environnement me fait penser à Valheim. Ou Valheim. Donc, mais bon, en plus joli forcément. Le jeu vient de sortir, donc il est beaucoup plus récent. Donc là, une barre de tâches et de raccourcis donc en bas. Pour mettre vos armes, votre nourriture, la poisson, n'importe quoi, le marteau de construction. On en a deux d'ailleurs. Pour moi c'est la touche Alt droite. Bah, pour switcher entre les deux. Donc on entre. Vous avez dormi trop longtemps, sang de flamme. Le royaume de Val-de-Braise est tombé, englouti par la brume. Maintenant la flamme éternelle vous rappelle. Aventurez-vous dans le monde en ruine et construisez un hôtel de la flamme pour créer un abri contre les ténèbres. Très bien, très bien, on va construire ça. Donc on verra ça au fur et à mesure. Hein. La carte, l'inventaire. On aura le temps d'y aller, vous inquiétez pas. Mais c'est surtout qu'il faut que je trace. Pas que je perde de temps. Donc un vaste monde vous attend, rempli de dangers et de secrets. Appuyez sur SUP et naviguez sur la carte pour suivre vos découvertes. Donc là, forcément. Journal. On a une quête à faire. C'est de réclamer un emplacement pour votre base. C'est ce qu'on va aller faire. En artisanat pour l'instant. Ça, on en parlera après. Il va falloir qu'on fasse un hôtel de la flamme avec 5 pierres. Le journal, forcément, on l'a vu. Le monde, il est là. Il faut qu'on aille ici. On met un marqueur. C'est pas très loin. On va descendre par là. Avant on avait un peu de l'or ici, de notre cher Balthazar. La lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne, la protège dans un noyau enflammé, une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses d'un murmure, mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. C'est dommage car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. Balthazar, paf, voilà, allez hop c'est parti. Donc là, un brasero. Allumé, là, éteint. Donc ça sert à rien, j'ai testé, hein. Je suis revenu avec une torche. J'ai pas pu l'allumer, donc on peut peut-être le faire avec autre chose. Mais en tous les cas, avec la torche, ça ne fonctionne pas. Ici, un coffre. On ouvre, donc une torche, forcément. Donc on va s'équiper de la torche, bah, c'est déjà fait. On peut récupérer des petits pansements. On peut tout péter, hein. Donc faire attention, car ça use. Ça use la torche, ça use tout ce que vous utilisez pour péter les choses. Mais là, je le fais, car bon, des torches, voilà... On en trouve beaucoup. Voilà, j'ai récupéré du bois. Je récupère une seconde torche. Rentrons dans la grotte. Donc par ici, voilà, par ici il n'y a rien. On a juste une échelle pour descendre. Également une seconde échelle ici pour descendre. Alors l'intérêt de ces échelles, c'est que contrairement à d'autres jeux où c'est compliqué de pointer le doigt sur l'échelle pour descendre sans tomber, là vous allez directement sur l'échelle et ça se fait automatiquement à l'animation. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc là on s'équipe de grenades. Il y a plein de grenades, on les prend, on prend tout. On s'équipe et on balance. Allez, deux seront suffisantes pour passer. Là, un coffre. On récupère le tomahawk. Donc là ça va pas être pareil, c'est pas la même histoire, la même limonade. Entrez. Rassemblons-nous et buvons une ode à la reine qui fut jeune autrefois, trois filles au bras, le verre rempli, plus que de raison, pensez tout fort, pensant tout fort à l'exalta, donc là elle commence à chanter. De l'hydromel dans mon verre à rabord, ou bien du rhum, ou ce qu'on trouve dans ce bistrot, buvez, buvez trop, mieux vaut ça que d'être mort.
On ne peut pas boire raisonnablement, alors partagez, même au blaireau, buvez, buvez trop, plutôt que d'en boire un seulement. Ah, blaireau, c'est marrant, parce que j'aime bien dire blaireau aussi. Plutôt que l'hydromel dans mon sang et que tout tourne à qui mieux que ma tête sur un pieu sans rien dedans. Prenez de l'hydromel et du rhum, le rhum jusqu'à ce qu'il vous assomme. Montez la coupe à vos lèvres, buvez sans réserve. Très bien. Ouais, il savait s'amuser à l'époque. Allez, on prend le bois, on s'en va, on perd pas de temps. Là, on peut tomber, aucun problème. On va mettre la lampe torche, voilà, on éclaire tout ça. Et on va avoir notre premier contact avec la brume dans pas longtemps. Donc là, une nouvelle torche. Alors, avant d'entrer dedans, ce qui est pas mal à faire, c'est d'attendre d'avoir la barre d'endurance qui remonte complètement. Ben oui, bien sûr. Vous avez un système de compétences aussi, le temps que ça se fasse, voilà, on y reviendra quand on aura récupéré un point. Le perso, on peut l'habiller, donc ça pareil, on le fera. J'espère qu'on pourra faire au moins une pièce d'équipement avant la fin de cette découverte. Donc là, pour moi, quand je clique sur un item, si je veux quitter ce menu, moi il faut que j'appuie sur sup. Sauf que sur sup, eh ben, ça me le supprime. Donc attention à vous, je ne sais pas si par défaut c'est aussi sup, mais faites gaffe. Vous pouvez perdre des ressources par des choses très rares. Donc là on a un système de lock, je vais me mettre. Là je vais le défoncer. Ouais non je défonce parce que de toute façon il n'y a pas le feu. Donc là je lock un premier. Un deuxième. Ah mais non mais pas ça, faut que je les garde. Que je garde mes grenades. Voilà j'ai récupéré des runes, du tissu, des spores, c'est bien. Alors par contre les runes c'est quoi ça? Les runes attirent et stockent l'énergie magique de tout ce qui les entoure et sont utilisées pour améliorer les armes. Ah ça c'est bien ça. Là, oh, je fasse attention. Ok très bien, on continue. Là il n'y a rien d'autre à faire. Donc la sortie c'est par là. Si je peux péter ça. Par exemple. Par exemple hein. Et donc quand vous pétez quelque chose et que vous récupérez une ressource, ça vous débloque des plans. Là tout à l'heure on a débloqué je crois le bouclier. Je vérifie. Oui on a débloqué le bouclier. Est-ce qu'on peut faire une ficelle? Il va me dire non. Non, je peux pas faire de ficelle. J'ai pas récupéré de ressources encore pour les faire. Donc là, si je récupère une branche, il va me dire que c'est bon. Donc là, nous sommes sortis. Je vais récupérer des brindilles. Voilà, ficelle. On peut faire des ficelles maintenant. Là, je récupère de la pierre, des ficelles. Prenez tout ce que vous pouvez. Hein. Vous allez avoir besoin de toutes les ressources, quoi qu'il arrive, pour faire... Ah, une ruche, très bien. De la cire, du miel, parfait. Donc là, est-ce qu'on peut commencer à faire des ficelles? Oui, je peux faire une ficelle, je la fais. Je me fais mon bouclier. Ça c'est fait. Par contre, sac à dos. Artisanat, non. Il faut que j'aille dans mon bouclier, bien sûr. Et je le place. Voilà, ça me fait 2 en protection, 2 en bloc. En blocage, ce qui est pas mal. Des champignons, on va les faire griller au feu. Donc là on y va, hein. On ramasse tout ce qu'on peut. Car il va falloir aussi que je me fasse forcément une hache d'abattage, ficelle, hache et une pioche. Il va falloir des brindilles et de la ficelle. Ficelle, je pourrais en faire une. Et des brindilles. Donc les brindilles, j'en ai peut-être derrière. Ouais, j'ai surtout beaucoup de baies. C'est bien les baies. On a un loup qui traîne, très bien. Il y en a Maurice. Raté. Voilà. Récupérons. Ah non, on récupère que des os. J'aurais bien voulu récupérer de la viande. Maintenant, pioche en fer. Bon, ce que je fais, c'est que je fais... donc cette première barre de tâches en bas. Pour le combat, on va dire. Donc les pansements, la nourriture pour se remettre vite fait. Et la deuxième barre de tâches, donc pour le craft. Et le farm. Donc là, on va péter un arbre. Il nous faut du bois, beaucoup de bois. Là, il récupère des brindilles. Il va nous falloir également de la roche. Ok. Bientôt, on va pouvoir aussi se fabriquer, je pense, l'hôtel de flamme. Il faut qu'on le fasse tout de suite d'ailleurs. Pas le choix. Et l'établi, on va l'installer aussi. Il me faut 3 ficelles.
Je peux en faire 3, oui. Parfait, établi. Et le marteau. Voilà, comme ça on a tout, tout de près. Il n'y a plus qu'à se trouver un emplacement. Bon, l'emplacement n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire. Ça va être dans cette zone. Donc on va se poser ici dans cette plaine. Pour le coup, donc je prends... Ça, ça me délimite en fait ma zone. Donc je regarde, je passe pas trop sur les arbres. Est-ce que je peux monter un peu? Ouais, c'est pas mal ça. Hop, c'est posé. Donc que me veut-il? La flamme, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement, l'un d'entre eux vous appelle tout près, juste de l'autre côté de la brume. Très bien. Ok. Ça c'est fait, mais nous ce qu'on va faire c'est se faire une baraque. C'est important. Très important, je vais vous dire. Puis-je me faire mon arc? Une ficelle. Non, mais non. Bon, bref, c'est pas grave. J'en aurai besoin de toute façon, quoi qu'il arrive. Et du bois, faut que j'en fasse. Donc on coupe, c'est parti. Non? Ah, faut être prêt, hein. Tout prêt. Ok. Donc là, des bûches. Et des bûches. Je vais couper ce gros arbre. Ah, une biquette. Elle la donne. Mais bon, j'ai pas de flèche. Y a pas de mais. C'est dingue, hein, dans tous les jeux j'en ai une. Donc là, puis-je faire des flèches? Oui. Non, je peux pas faire de série. Ah, dommage. Par contre, ouais, j'aimerais bien quand même avoir deux séries. Ah oui. Donc là, on pète. Un loup. Encore un loup. Vite, je me mets. Hop, combat. Allez, donne-moi un steak, toi, Maurice. Bien. Des os. Et de la viande. On va faire cuire ça. Là, hop. Du miel, c'est génial. Bah, décidément, j'ai vraiment de la chance. Par contre, il faut des brindilles. Pour faire une série de flèches, on a dit. De la pierre, je prends, bien sûr. Donc mes flèches. Ah, ça, c'est la deuxième série. On est d'accord. Que par contre. Ouais, l'arc il est là. J'ai pas envie qu'il soit là, malheureusement. Sac à dos. L'arc, il faut qu'il soit. Ici. Et ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ça non plus. Quoique ça, je vais le garder car j'ai le crafter. Non, mais c'est pas vrai, je l'ai viré, vous voyez. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette satanée touche sup fait que je vire tout. Et donc je perds beaucoup de choses. Ah, ça va vraiment me poser un problème cette touche. J'ai tellement l'habitude d'en servir dans tous mes jeux. Donc ce sont des automatismes que j'ai pris. Alors bon, j'étais obligé de faire une biquette. Ouais, mais bon, malheureusement... Ah, ça a pas suffi. Voilà. Allez, donne-moi un steak. Non? Bah, tu me donnes pas de steak? J'en tue une deuxième. Donnez-moi des steaks. Voilà. De la viande maigre, ça suffira pour que vous voyez comment ça se passe au niveau de la cuisson. Et de la cuisine surtout. Donc, on a ce qu'il faut. Notre marteau, il est là. On le prend en main. Alors déjà, bon, on va peut-être installer l'établi. Pour fabriquer justement les blocs de pierre. Donc là, un système de craft assez, assez simple, mais efficace. Donc blocs de pierre, on les fabrique par 100. Donc il m'en faut quelques-unes. Je ne vous cache pas. Blocs de bois dur, pareil. Il va m'en faire quelques-uns pour les murs. Et des toitures, donc de la fibre, il m'en faut aussi un petit peu. Ça devrait aller. Donc maintenant, on s'équipe du marteau. Et avec le marteau, moi c'est le pavé numérique, c'est la touche 7. Voilà, donc là on a sur la droite, vous voyez, avec CTRL enfoncé et ma molette, je peux choisir donc le matériau que je veux utiliser. Donc là pour l'instant, on va tout faire, enfin les fondations, on va les faire en pierre. En bas,
Avec ma touche Alt droite, j'ouvre toutes les possibilités de construction. Donc là, c'est un mur, deux murs, quatre murs. En fait, ça dépend de la largeur. Moi, je dis que ce sont des murs, mais c'est peut-être ouais, c'est peut-être la longueur. 4 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Hein. Voilà. On a 2 mètres de large. C'est pas assez pour moi. Je vais prendre des 4 mètres. Et après, on a la même chose avec les toits et le terrain. Donc, on perd pas de temps. 4 mètres. Je vais me placer à ras. J'aime bien mettre à ras comme ça. C'est pas mal. Quoique, si je veux me faire mettre des choses autour. Ah, je sais pas. Je vais partir comme ça. 1, 2, 3. Je peux déjà plus? Non, c'est pas une... C'est une catastrophe. 6. 6, je vais pouvoir en faire combien? 1, 2. Je peux en faire que 2. C'est génial. Hein. Là, on va falloir quand même un paquet. Heureusement que j'ai farmé. Mais bon, est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. On va bien voir. Donc là, ici, forcément aussi. Là. Et là, il m'en manque. Il m'en manque. Donc, on est parti. On est reparti pour crafter. Enfin, pour refarmer de la pierre. Bien évidemment. Ah, c'est long tout ça. Mais bon, ça se fait. De la pierre, des champignons. Voilà. Là, on va se taper ça. Non, mais, non, non, bah, il me prend la terre. Ok, quand il me prend la terre, après, c'est mort. C'est plus automatique en termes de farm, donc je préfère laisser tomber, aller chercher un autre. Genre celui-ci. Voilà. Là, ça y va. Ok. Bon, j'espère que ça suffira. Dans le doute, on prend celui-là. Celui-là et ces petits 3. Bon, des fois j'ai ça à l'envers, hein. Ces petits 3, ces 3 petits. Vous avez compris. Donc là, bloc de pierre, on en refait quelques-uns. Et normalement ça devrait être bon. Hop. Non, sérieux, il m'en manque combien? Enfin, il faut que j'en fasse 3 séries encore. Ouais, c'est. Ça prend de la ressource. Hein. En même temps, ce sont les plus gros que je fais. Hein. Donc, automatiquement, ça peut paraître logique aussi. Voilà! Mais bon, c'est pas comme ça que je voulais la faire. Quoique, si, on est à ras le sol. Il n'y a pas d'herbe qui dépasse comme dans Scum. Scum, c'est compliqué. Des fois, vous mettez les fondations au sol et de l'herbe en dépasse, en sort. Là, au moins, c'est aplati. Rien ne sort. Parfait. Impeccable. Donc, maintenant. On va mettre des murs. Et les murs? Donc les murs, on va les faire en bois. Forcément. Donc on en met un ici. Là, je mettrai bien une petite fenêtre. Ici, encadrement de porte. Ah oui, ça c'est un petit peu agaçant par contre. Quand je tourne, bah, j'aimerais bien que le blueprint tourne aussi. En même temps, ce serait pas mal. Là, ça le fait, mais vous voyez, si je veux aller là, il faut que je rappuie sur R. Peut-être à voir, à revoir peut-être cette notion. Bon, c'est pas gênant tant que ça. Hein. Mais bon. Hop. Et hop, sauf que là, je ne veux pas de fenêtre. Donc pareil, on fait sup. Hein. Clic droit. On met un mur plein. Ouais, vous allez comprendre rapidement pourquoi je veux un mur plein ici. Donc là. Table de craft, foyer, je peux faire donc ma cheminée, on l'a fait, le lit, il va me falloir de la ficelle que je peux fabriquer normalement, ah c'est super ça, j'entre là-dedans, je fais mon petit lit, bien évidemment, peut-on faire des fenêtres, oui, il m'en faut 3, 1, 2, 3, des portes, il va m'en falloir aussi. Il faut quoi? De la ferraille? Ah, je n'ai pas de ferraille. Je n'ai pas trouvé de ferraille. Dommage. Bon, c'est pas grave. On la fera plus tard. Donc, on a dit... L'âtre. La cheminée. Ici. Tac. Alors, on va se cuire la viande. Donc, pareil, vous faites... vous sélectionnez. Hein. Ce qu'on peut cuisiner est en blanc. Le reste en grisé. Donc là, ma cuisse de viande maigre crue,
Je clique gauche et c'est parti. Quand vous relâchez le bouton, vous maintenez enfoncé et vous relâchez. Voilà, dès qu'elle est cuite, hop, sinon ça crame. On va faire la même chose avec les 4 champignons. C'est un peu plus rapide. 2. Et le dernier. Voilà. Donc là pour l'instant pas besoin de manger, on les garde. Hein. Au cas où. Ici on a quoi? Je n'ai rien. Bon, tout est dans l'inventaire alors en fait. Dans le sac à dos. Car le sac à dos, je vais avoir besoin. Ça je vais le laisser. Ça je le range. Je vais mettre ça là. Ça je range aussi. Ça je peux poser. Je vais prendre par contre les fenêtres et le lit. À dépoter, oui. On va faire ça. Tac. Le lit. Le lit, je le verrai bien ici. Hop. Là. Les fenêtres. Bien évidemment. Une là. Oui, c'est vrai qu'il faut que je tourne. Et encore retourner. Tac. Maintenant, attaquons le toit. Donc le toit. On se met donc sur Alt GR. On va sur toit. Toit 4, hein, forcément. Donc là, bon, il faut que je commence par là. Je commence par là. Pas de problème. Est-ce que j'aurai assez? Non! J'ai fait n'importe quoi. Je dégage et j'en vais. Voilà. De l'autre côté. La nuit tombe, on va quand même, on va en profiter justement comme ça pour poursuivre la construction de la base. Et au petit matin, on partira à l'aventure. Donc là, forcément, il me manque de la fibre. J'aime pas en plus faire ça nuit, car je vois que dalle. Ok. Je ne sais pas où sont les arbres, ça m'agace. Là, on a des lucioles, j'y récupère. Ça pourrait peut-être servir. Plus tard. Non, non, non. Tu vas le couper, on va le couper sur cet arbre. Il va peut-être nous donner quelques fils. Hop. Très bien. Les petites lucioles, on récupère. Ok. On retourne à la base. Là, il n'y a rien ici. Ah si, un petit buisson. Il y a des petits buissons, je récupère quand même. La brady, fibre, très bien. Ça, c'est bon, ça. La biquette. Ouais, on la laisse tranquille, la biquette. Et donc là, je vais pouvoir refaire des structures. Bloc de végétaux. 1, 2, 3. Je vais tester 3, j'espère que ça ira. Il y a peu de chance, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc le troisième, il va là. Ensuite, il faut donc se faire la fêtière. Ouais, après, il faut que je mette un rat quand même. Voilà. Un ici, le dernier. Ok, j'ai tout. Donc je suis content. Là, on retourne. Sur Alt GR, on va prendre des triangles qu'on va positionner sur les côtés. Ok, on change de côté, on les place. Allez, pose-toi, Maurice. Je crois qu'ensuite il faut que je prenne en 2M. Voilà, en 2M, je prends ces petits carrés. J'en mets 2, 4. Ça tient, hein. Ça dépasse pas, ça déborde pas sur le toit. Pas plus que le reste. Et là donc les petits triangles. Et pour les triangles du coup, il faut que je fasse un escalier. Ah parce que sinon je peux pas les mettre. Ça ira bien ça. Voilà. Hop. Est-ce que j'entends? Il y a un loup? J'ai l'impression qu'il y a un loup. Hein. Donc là, non, j'étais bien, il y était. Pourquoi tu t'es descendu, Maurice? Voilà. Donc là, on pète ce petit escalier. Je recrafte ici.
Donc là. Ouais, c'est bon. Il tient tout seul. Et là. Ok. Parfait. On supprime. Là, on est bien. Alors, ensuite. Que puis-je fabriquer d'autre? Car là, on a quasiment. La maison est faite. Hein. Ouais, il me manque cette. Cette porte. Ça m'en kikine un petit peu quand même. Et bon, je peux pas sortir en pleine nuit. On va rien voir. Ouais, foyer, on l'a vu. Les chaises. Je vais faire une table. Petite table. Pourquoi pas? On va faire une petite chaise. Plutôt un banc, mais bon. C'est plutôt un tabouret qu'une chaise. Je peux mettre un plat ou pas? Allez, on va se mettre un plat. Sur le petit côté RP quand même. Allez, go. Donc là, ma table. La table, je la verrai bien ici, en plein milieu. Forcément. Tac! Un petit tabouret. Ici. Bon, j'en ferai d'autres. Un petit banc, voilà, si on veut. Ah, le banc, est-ce que je peux le mettre dehors, le banc? Oui. Voilà. Ah, c'est bien ça. Si on veut prendre un peu l'air. S'asseoir, se poser. On peut en plus. Et donc, la petite assiette qui va bien. J'en ai plusieurs. J'en ai fait combien? 3. Très bien, bah, écoutez, si j'ai fait 3 bols, pourquoi pas. Et donc des tâches, j'en ai fait 5. Ouais, d'accord, très bien. Bah, on a fait 5 tasses, on a fait 5 tasses. Une là. Une là. Une ici. Ouais, il en faut pour tout le monde. Tac. Et voilà. C'est n'importe quoi. Est-ce que je peux refaire 3 tabourets? C'est possible ou pas? Non, il va me falloir de la bûche. Mais la bûche, c'est pas un problème. La nuit tombe, mais on voit clair maintenant. Allez, un gros. Bien, voilà. Donc des fibres, du bois, du bois, du bois, des fibres. Impeccable. C'est une petite ça. Hop, je prends. Qui m'attaque? Ah, je crois entendre un bruit d'attaque. Chaise. Une, deux, trois. Ok. Donc on déplace, hein. On place les petits tabourets. Et voilà. Regardez comme c'est mignon. Ouais, peut-être mal posée celle-là, effectivement. Pose-la mieux que ça. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, hein. Mais bon. On fait avec. Alors, en termes de craft, non, je peux pas encore faire mes fringues, hein. Ouais, d'accord. Armes. Armure, si, je peux faire. Il me faut quoi? Du tissu déchiré. Et de la ficelle. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment la base, hein. La base de la base. Bon, on va se rapprocher tout doucement. On va aller voir là-dedans. Il y a peut-être un peu de métal. Je pouvais y rentrer par le côté. Il y a un lapin là-haut. Enfin, un lapinou. Hop. Rien du tout, hein. Rien du tout, que dalle. Même pas un petit bout de métal. Ah, ça serait tellement chouette. Et niveau 2, ok. Ah, je peux faire les crochets, donc ça, si je peux faire les crochets, c'est que j'ai débloqué. J'ai récupéré de la ferraille. Ah oui, effectivement. Donc on va pouvoir aller faire la porte. Et donc on a débloqué un point de compétence. En tous les cas, 2 points de compétence même. On va se mettre ça, nous. En quoi on peut faire? Intelligence augmente, votre intelligence par 1. Ouais, moi je suis plutôt un guerrier. Augmente ton attribut constitution de 1, augmente la santé de 50 par point. Allez, on déverrouille ça, déjà. Et ensuite, je peux pas. Barbare, je suis un barbare aussi. J'augmente ma force. J'augmente tout. Ah, je suis un guerrier, moi. C'est parti. Le corps à corps, mais bon, j'aime bien l'arc aussi.
Petite porte ou pas? Porte. Oui. Ça, je peux pas la faire encore la double. Donc on va faire nous la simple. Voilà. Et on installe cette porte. Voilà, base opérationnelle. Elle est faite. Hein. Elle est prête. Donc je reviens après une pause. Mais bon, visiblement, on repart du début de matinée. Un peu dommage qu'on puisse pas en solo repartir de là où on était. Alors ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est finalement de double porte. Ça pourrait être pas mal, parce qu'en fait la double porte, il faut deux portes en bois, c'est tout. Les portes en bois, je les ai. Bûche ficelle, ah, ça c'est peut-être, elle est peut-être mieux, non, ça c'est de la ferraille. Je peux en faire une deuxième. Il me faut de la bûche. Et la bûche, on a dit qu'il y en avait un peu partout. On coupe, on cut. Allez go. Allez, on en fait un deuxième. Et on sera bon. Bah, le bonhomme il est fatigué. Hein. Voilà. Restait vraiment pas grand chose. Ok. Là on récupère ça, là on pète. Ok, on récupère tout ça. Et on trace. Allons faire cette fameuse seconde porte qui nous permettra d'établir. D'où ça vient ça? Structure d'échafaudage, je peux les faire depuis quand? Ok, ça peut servir, ça aurait pu me servir à l'intérieur quand j'ai mis les petites structures triangulaires tout en haut. J'avais fait un escalier pour pouvoir monter, mais bon, effectivement j'aurais pu faire ça. D'accord, matériaux de construction. En stockage, ah, je vais pouvoir faire ça aussi. On va pouvoir se faire un coffre. Tac. Rien d'autre, feu de camp, pioche, torche, crochet. Non, je fais pas le crochet. Car si je le fais, je pourrais pas faire ma seconde porte. Effectivement, je pense qu'une seconde porte, ça sera plus de gueule qu'autre chose. Allez, seconde porte. Voilà. Là, on va récupérer de la deux. La première. Pas besoin de faire ça en fait. Enfin, juste besoin de faire ça. Ici par contre, il faut que je mette. Je supprime. Et est-ce que l'on peut faire. Alors ça c'est la question. Pour le coup. Peut-on faire une double porte? Ah je vais voir. Je vais voir comment ça se comporte. Ça a l'air bizarre. Hein. Ok. On teste hein, de toute façon, là c'est vraiment le test. Hein. Fenêtre c'est bon. Je peux pas en faire 15 000 de plus. En table, on pouvait faire table de nuit en bois brut, j'en fais une. Et là c'était une table simple. Plus 2 en confort. Celle-là fait combien plus 1 en confort c'est tout. Sérieux? D'accord. Alors si celle-là fait plus 2, je vais la faire. Et je vais dégager l'autre. Alors. Très bien. Mais bon, il y a quand même des trous au-dessus. C'est quoi ces découpages bizarres là. Ah, c'est quand même spécial. Hein. Alors ça, pour le coup... Nickel, impeccable, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Ok. Donc là, oui, alors par contre aussi, est-ce que je peux faire un éclairage? Éclairage. C'est quoi ça? Je peux faire un flambeau? D'accord. Et ça, pareil. Ça se met sur les murs. Résine, bûche, tissu déchiré. Ça, faut des lucioles. Ok, très bien.
Je vais me faire une petite bougie. Et puis je vais en faire deux comme ça. Non, je peux en faire qu'une. C'est déjà pas mal. Ça va déjà très très bien. Alors, là, on va dégager ça. Par contre, ça va me faire retirer tout. Allez, on récupère. Sac à dos plein, très bien. Alors si le sac à dos est plein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre premier coffre. Il est où? Où est-il? J'ai bien fait un coffre tout à l'heure, on est d'accord. Où est le coffre? Ah sérieux, mais je l'ai pas fait. J'étais persuadé de l'avoir fait. Bon bah pardon non. Donc par contre on va se mettre la table de chevet, on la met là. Je vérifie que c'est le bon côté. Ouais bah c'était pas le bon, forcément. Voilà. Ici. Très bien. Donc là, on pose la table unique. Ouais, on s'en fiche. Ça y est, ça recommence. J'ai effacé ma table. Et ben j'en refais une autre, c'est pas un problème. Ça, c'est quasiment être très sous long quand même. J'espère qu'ils vont rectifier le tir rapidement s'ils m'écoutent, les développeurs, on sait jamais. Hein. Ils regardent peut-être aussi les petits youtubeurs. Donc j'aimerais sincèrement qu'ils pensent à tous les gauchers, déjà. Je suis certain de ne pas être seul. Et je pense ne pas être trop le seul à avoir ce souci. Et là, c'est vraiment un gros problème. Alors, on a placé les sièges. Les tasses. Ah, les tasses, j'ai pas assez de place pour mettre les bols avec. Je pense pas, hein. Je ne pense pas. Ah, mais j'ai effacé aussi la table. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ça me saoule. Alors, on va mettre une là. Et une là, ouais, j'en mets que deux pour l'instant. Car c'est un peu disproportionné. C'est peut-être une table pour deux. Hein. Allez savoir. Hop, voilà. Ça ira bien. Le reste, ça va aller dans le coffre que je n'ai pas fait. Que je pense avoir fait. On va recommencer. Stockage. Ok. Ah non, il me manquait de la ficelle. J'ai fait la ficelle, mais du coup, je n'avais pas fait le coffre. Donc, bah, le coffre, on va le faire. On va le mettre là. Hop. À côté. Il va être bien là. Tac. Et là je pose. C'est quoi la touche pour aller plus vite? C'est mage. Tout prendre, c'est F, tri inventaire, mage, recharger les pistes, se déplacer, action. Mage plus, déplacement rapide. Ok. Je dépose tout ceci, de la terre, sinon j'en ai quand même un paquet de terre. La pierre, je garde, je vais garder ça. Ah, les lucioles, pour l'instant, je les garde. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégradation pour ça. Je dépose ceci. Bon, je vais le garder, le puits, on sait jamais. Non, la torche, prends là. J'en ai besoin. Ok. Pour l'instant... Notre petit coffre, il a 15 sur 16, c'est très bien. Et là, on la met... on a de la lumière tout au fond là-bas, donc on va la mettre ici. Je vais mettre une deuxième. Tac. Voilà. Est-ce qu'elle s'éteigne? Est-ce qu'elle se consomme ou pas? Pareil, ça c'est une question que je me pose. Je vais essayer d'en faire une deuxième, on verra bien. Éclairage, il va me falloir quoi pour faire celle-ci? Ah, de la résine, ouais, j'en ai plus. J'ai tout mis dans mon coffre et puis il m'en manquait, je crois. Mais bon, c'est pas un problème. On est quand même bien là. Je trouve qu'on est pas mal. Faites voir ce qu'on peut faire d'autre. Non, j'ai encore effacé un truc. J'ai effacé quoi là? Pfff.
Je saurais pas. C'est pas ce que j'ai effacé. C'est pas grave. Donc, quelqu'un, ça c'est fait. L'hélice, c'est fait. Stockage. C'est bon. Stockage, je peux en faire qu'un pour l'instant. Le râteau. Ah, tiens, Maurice est là. Oh le. Oh la vieille parade que je lui ai faite. Bien joué. Allez. On va se cuire ce petit filet de loup. On en profite, hein. Tac, regardez-moi ça. Avec ça dans le bide, je peux vous dire que j'ai de bien. Mais je vais pas le manger tout de suite. Hop. Et voilà. Donc je pense qu'on ne peut toujours pas faire. Les fringues, je peux les faire, mais bon, elles sont tellement dans un état déplorable. Je pourrais éventuellement faire ça, de la ficelle, du tissu déchiré. Mais bon, ça va aller. Là, on a quoi d'autre, hein. Les fenêtres, on peut en faire qu'une sorte. Hein. Les plats, pareil. On a tout fait. Les chaises, il n'y en a qu'une sorte. Le foyer, table. Un planeur. La possibilité de voler a toujours été une caractéristique souhaitable. Appuyez sur... pavé numérique, hein, d'accord. Dans les airs, pour ouvrir le planeur, en utilisant les courants de vent et la hauteur du point de départ, il peut être utilisé pour parcourir de grandes distances en une seule fois. Ah, de toute façon, je pourrais traverser la brume grâce à ça, mais par contre, il faut de la fourrure que j'ai. Bois de brume, je n'en ai pas. Ficelle GS, port de brume, j'en ai quelques-unes. Ouais, c'est quasiment faisable, hein, on va dire. En gros. J'essaie de récupérer de la résine. Un petit peu de résine. Yes. Encore un petit. Vu la taille des arbres, il y a forcément de la résine. J'en ai récupéré deux en plus. Ce qui est pas mal. Donc là c'est tombé, mais... Bon, apparemment il n'y a pas grand chose. Alors ma barre de vie a drastiquement augmenté. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est grâce à la maison? Je n'en sais rien. Pourtant j'ai pas souvenir d'avoir bouffé quoi que ce soit. Logiquement quand je mange quelque chose, genre un steak, ça me rajoute des choses. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, il me manquait je crois. Je vais vérifier ce qu'il me manque. C'était pour quoi faire d'ailleurs. Je sais même plus pourquoi je voulais ça. J'en avais besoin pourquoi. Ah si, pour faire un deuxième éclairage. Il me fallait deux résines et du tissu déchiré. Que je dois avoir dans le coffre. Deux résines et deux tissus déchirés. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Enfin, j'ai encore failli me faire avoir. Sors de là. Hop! Éclairage. Non. Voilà, torche murale, parfait. Et c'est parti. Ça là, à peu près. Ok. Ouais, c'est pas mal. Très chaleureux comme ambiance. Et pour le coup, je redépose le trop-plein. Et le trop-plein, il est là, là. Les os, je dépose. J'ai de la bûchette, c'est pas mal. Ok. Et donc, il me semble qu'on va pouvoir se quitter là-dessus pour cette découverte de Enchrodid, qui est vraiment excellent. Donc toute maison est faite, elle est magnifique. Le toit il est comment là? J'ai l'impression qu'il y a, il y a un décrochage. Non, c'est fait exprès, c'est normal. Très bien. Et j'espère que cette découverte vous a plu, que le contenu également vous a plu, on a pris le temps, on n'est pas parti tête baissée faire la quête du survivant endormi. Autant se préparer justement pour le recevoir, pour l'accueillir. On a de quoi s'endormir, on a de quoi se protéger, on a de quoi faire chauffer la nourriture. Un endroit où on peut, qui respire le bon vivre, j'ai envie de vous dire, très chaleureux. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne chose, de toute façon on l'aurait fait un jour ou l'autre, donc autant faire les choses dans l'ordre et dans le calme. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit si vraiment cette vidéo vous a vraiment plu, afin de suivre les aventures de notre magnifique personnage barbu.
et mettez un commentaire, hein, quel qu'il soit, une astuce, ça peut m'être vraiment utile et me faire gagner du temps. J'y répondrai plus vite. Merci à vous et à bientôt. Yeah.